c'est une vraie stratégie qu'on a aussi mise en place depuis quelques années. On souhaite avoir un maximum de grands événements sur notre territoire. On ne peut pas être une grosse fédération avec des résultats comme on a, avec des champions comme on a, et puis pas organiser des événements majeurs. On a cette ambition, effectivement, de faire en sorte que nous, les athlètes, le ski français, la Fédération française de ski, contribuent à la promotion de la montagne grâce à ces Coupes du Monde, hein, qui sont les vitrines de nos stations, et grâce à nos champions, qui sont les meilleurs ambassadeurs. Courir en France, ça représente vraiment quelque chose d'important. C'est un réel partage, voilà, directement avec tous les gens qu'on aime, tous les gens qui nous soutiennent. Et courir à domicile, c'est vrai que c'est toujours un grand bonheur et beaucoup de motivation. En ce qui concerne la Coupe du Monde à Annecy-le-Grand-Bornand, je trouve que c'est un magnifique événement parce que bon, bah nous, c'est une Coupe du Monde qui est à la maison, donc c'est forcément ça, on a vraiment à cœur de bien faire là-bas, mais c'est un événement de partage en plus pour les jeunes, pour les personnes qui vivent en France et qui suivent le biathlon. Pour la Coupe du Monde Grand Bornand, ouais, j'attends que ce soit un bel événement, surtout qu'il y ait beaucoup de public français et qu'il y ait une atmosphère différente que ce qu'on peut trouver sur le reste des autres sites. On va retrouver énormément de personnes qu'on connaît et donc ça va être super, mais stressante à la fois parce que c'est vrai qu'on... Les personnes qui nous entourent nous demandent indirectement de faire une belle course sur cette étape. J'ai eu l'expérience il y a 4 ans de faire mes premières courses en Coupe du Monde sur cette étape. C'était déjà grandiose, mais là je pense qu'avec l'ampleur que le biathlon a pris ces dernières années, plus le fait que j'ai un autre statut maintenant, ça va être une belle étape.